Sorti lundi pour arriver vendredi, 6h30, 7h à souhait. Télésignal a présenté au journal Créole, Signal Actualité. Tout ça que dit, tout ça que fait actualité sans ouéter ni mettre, dans journal Créole, Signal Actualité. Signal Actualité, journal là, sous Télésignal. Bonsoir tout le monde, jeudi c'est lundi 3 novembre 2014. Nous bien contents que vous portez pour la première édition du journal de l'actualité pour ce matin et pour le mois de novembre. Tout de suite, mais quelques points d'abord pour nous développer pour vous. C'est la date du 8 novembre qui est venu là, président Martelly, par la population connaît, qui s'est sorti dans la série de consultations, qui était en main avec différents secteurs dans le pays, dans l'idée pour résoudre la crise politique là. Président Michel Martelly retourné dans le pays samedi 1er novembre après un voyage 6 jours dans le pays l'Allemagne avec la France. D'après votre parole là, président Slan, Lucien Jura, voyage sa portée en pile pour le pays, surtout dans les affaires business à l'étranger. Réaction pas suspendre tomber pour critiquer la participation président Martelly pendant le voyage li dans l'émission qui est internationale, qui fait sous chaîne télévision TV5 Monde. Porte parole la présidence dans lui-même dit, le chef de l'État a été répondre questions en fonction de la réalité pays. Et pour créer le journal Ville Jérémy dans le département de Grand-Anselin, pour changer figure dans 9 mois qu'il est venu là, le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte, Talbaïsia, pour commencer le travail yo, vendredi passé dans la ville. La. Troisième édition festival Mode Haïti Fashion Week là, bout hier dimanche là dans Pétionville. C'était un succès d'après organisateur événement ça qui était duré 4 jours et puis qui était accueilli pays Mexique comme pays invité. Mesdames, messieurs, c'est tout de suite ça que nous avons vous. À Camp Pilote, restez branchés. N'a pas première pause nous, n'a pas tenu. Nouveau billet de goutte banque centrale pour le mettre dehors. Il n'est pas remplacé ancien. Tous les dés qui servent pour toute transaction. Même gens avec billet de goutte doivent servir. Nouveau billet a qui porte le lieutenant Sanit Belair avec Fort Cap Rouge. On nous garde ensemble. Ou qu'à Lille, dans langue française, coup créole. Si vous passez mon tout, vous avez senti en bas de tout. Faites un coup de jet sous côté droit de billet. Zone ça transparent. Ça veut dire, là où gardez la donne, ou kawé sous l'autre bord. Nouveau billet ça fait avec un papier supérieur qui relève polymère. Li pi fin mais li pi résistant qui donc l'a duré plus longtemps. Banque centrale a travaillé pour ba nous moyen plus moderne pour mener activité commerce nous. Moi c'est Carolina Richer, Miss Analyse Miss Earth Haiti 2013-2014 là. Moi j'ai deux commissions EDH Bambano. Première commission, aide à dire pour nous, dans le jour avec moi qui vient là, nous avons plus de courant. Parce que la fait plus d'efforts pour satisfaire nous-mêmes qui sommes clients, qui ont un compte légal qui installe la caille nous, ou sinon dans le business nous. Deuxième commission, aide à dire pour nous tout, pour nous jouer plus de courant, il faut que nous payions Bordeaux courant nous chaque mois. Bon là, c'est moi qui parle avec nous. Courant ou recevoir la caille. Aussi non en business ou en, c'est en production liée. Ça veut dire, il y a l'argent qui mettait dehors pour acheter gaz, pour mettre dans moteur, pour faire entretien dans machine, et dans réseau de distribution. Il y a l'argent tout qui mettait dehors pour payer employés et techniciens qui fait toute machine ça marcher. Petit coulier, courant ou recevoir la caille, coûte EDH l'argent. Les l'argent ça pas rentré, pas gain gaz, pas gain entretien, employé pas touché. On nous tout remplit de voix nous envers EDH pour EDH car j'ai plus moyen pour nous plus courant toujours. Moi compter sur nous, EDH compter sur nous, nous même tout nous mettre compter sur EDH. Oui, monsieur Jonas. Monsieur Jonas, inspecteur d'Iri. Je n'en m'en vois, hein. Diri numéro 1. Oh, Diri numéro
accepté. Tiré numéro 3. Tiré 10 sous 10 plus. 10 sous 10 pour qualité. 10 sous 10 pour goût. 10 sous 10 pour économie. Économie pour poche nous. Tiré 10 sous 10. Bon, 10 sous 10. Plus. Pour commande, relez dans 28-13-19-91. Une autre fois encore, gros bonsoir à tout le monde. Bienvenue dans le développement journal là. Porte-parole la présidence là, Lucien Jura, présenté jeudi lundi 3 novembre là, bilan voyage président République là t'est fait semaine passée dans pays l'Allemagne avec la France. D'après monsieur Jura, c'est un voyage qui a porté en pile pour pays là. Lucien Jura rappelé, visite ça a été faite dans cadre renforcement lien commercial, coopération avec Zamitain en Haïti avec deux pays yo. D'après bilan porte-parole là bas là, président Matéli t'est parlé sous fonctionnement institution haïtien à président pays l'Allemagne là, dans pays la France, Lucien Jura précisé chef haïtien en Téchita Palé avec François Hollande et spécialement sous dossier élection. Lucien Jura t'en a mis au Ludmilla Marc avec Jasmine Denis. C'était une première rencontre li avec membres représentants Chambre de commerce et d'industrie allemande là, yo, à Berlin. Une rencontre qui était très fructueuse, côté que investisseurs allemands ont une idée beaucoup plus claire de ce qui passe en Haïti aujourd'hui et intérêt à manifester, fait nous croire que nous avons supposé commencer à recevoir, retomber bien fait. Visite ça très bientôt parce que gagne et engagement qui prend pour que dans l'année 2015 là gagne une mission allemande des affaires lui-même qui t'a venu visiter Haïti pour capable garder de plus près ça qui a passé. Et puis deuxième rendez-vous président Martelly, c'est après avec chancelière allemande là, Angela Merkel, côté que il était discuté pendant un bon bout de temps sur avancer qu'a fait en Haïti journée aujourd'hui, question électorale là, relations et coopération haïtiano-allemande là yo, et tout de suite après l'Allemagne cap sur la France et en France avec le président François Hollande, président Martelly t'a pas gagné pour le chita parler dans cadre réunion de travail que t'a pas gagné parmi sujets, c'était bien évidemment relations entre deux pays, comment coopération avancer, la France qui besoin qu'on ait, et dans l'ensemble, qui nouveau tableau présente en Haïti, ce que le président Martelly a fait, c'était encore une fois la même démarche pour être comment capable d'inciter les investisseurs français pour être capable d'investir dans le pays d'Haïti et pourquoi pas une extension de l'aide française au niveau de d'autres secteurs de la vie en façon pour capable permettre que nous allions beaucoup plus vite dans la question du développement. C'est la date 18 novembre qu'a venu là, président Martelly a bay population haïtienne, résultat différentes consultations, était en main avec différents secteurs dans pays là. C'est porte-parole la présidence là qui a annoncé ça. Dans même conférence bilan voyage Michel Martelly saute fait dans zone Europe là, Lucien Jura a profité réagir sous participation président Martelly dans émission internationale sur chaîne télévision TV5 Monde. Un dossier qui a fait gros parler en pile et puis levé paquet de critiques. D'après Lucien Jura, président te répond question yo en fonction de réalité pays. Lucien Jura. C'était donc trois journalistes seniors qui t'ont interrogé président Martelly sur ensemble de sujets et espace ça pour monde qui est habitué avec lui, son espace qui d'abord a comme vocation pour le mettre l'interviewer lui-même devant la scène, et l'interviewer c'était le président de la République, son ensemble de sujets en rapport à l'actualité haïtienne. Et président Martelly, avec le même naturel qu'on le connaît, de répondre aux questions. Peut-être ça passe pas, certains ont espéré peut-être qu'il répondra, mais il répondra en fonction de la réalité haïtienne actuelle. Et à chacun peut-être son interprétation, mais l'on aura compris finalement que le président de la République était resté égal à lui-même et encore une fois a fait honneur à la nation à travers cette prestation au micro de trois journalistes seniors. La continue avec série de pourparlers et conformément à communiqué qui sorti dans la semaine passée en là, au plus tard, le 18 novembre, série de consultations a bien pu prendre fin.
parce que nous songeons déjà à des rencontres qui étaient avortées, notamment avec les partis politiques ayant leurs représentants au niveau du groupe des six, parce que c'était un problème de coordination, de planification, pas un problème pour que, par exemple, de nouvelles invitations à joindre le secteur SAO. Et puis, il y a d'autres acteurs au niveau politique également qui pourraient consulter. Mais au moment où nous parlons, il y a des avancées sérieuses qui commencent à être faites au niveau du cabinet de la présidence par rapport à ensemble de propositions, de suggestions pour comment nous capables de joindre le bout du tunnel. Je nous souhaite dire, mesdames, messieurs, ce n'est pas deux réactions qui pas gagné après participation président Matéli dans l'émission internationale sur chaîne télévision TV5 Mondelan. Jean-président République là, Michel Matéli, t'es marré le pour te répondre question sur quelques dossiers qui gagnent pour eux à conjoncture dans le pays d'Haïti. Pendant l'interview, ça prouvait, une fois encore, politique là, c'est une science. Ça, c'est opinion par responsable organisation Peuple Cap Lutea, OPL là, qui dit pas normal pour chef l'État pas au courant, si gagne prisonnier politique dans le pays. Sauveur Pierre Etienne, t'es profité par quelques conseils sur qui Jean Michel Matéli t'es de répondre. Sauveur Pierre Etienne. Dans tout le pays, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, si il y a une manifestation, si il y a une casse, eh bien, la police lui-même réagit. Mm-hmm. Il était capable de dire, lui-même, ce n'est pas lui-même qui a dirigé la police, parce que la Constitution n'a pas permis de diriger la police. Donc, c'est la justice. Et une fois qu'il est entré dans le pays, il va le parler avec le Premier ministre et le ministre de la Justice là, pour le connaître comment suivre le dossier ça fait. Bon gens pour le faire. Ça, c'est nous, politique là, c'est à la France, hein, c'est à la fois en Algérie. Mm-hmm. Il n'est pas capable de dire que l'ignorer. Que des citoyens qui sont en prison. Donc, réponse là, n'est pas approprié. Et pour capable de comprendre que ce n'est pas un homme politique lié. Moi-même, je suis un homme politique, je suis un politologue. Si un journaliste posait mon question embarrassante, eh bien, je comprends comment pour me sentir la dame. C'est vrai, Dado ou Tadim, moi-même, pour me monter son scène, pour me chanter. Eh bien, mon choix, vous avez besoin de me chanter pour bagaille, musique classique. Non, pas grand-chose, café. Ce n'est pas domaine moi, donc, ce n'est pas domaine président. Mais depuis 3 ans, vous faites quelques efforts, mais pour ne pas oublier un problème qui vivait. Question journaliste a posé président la première hier. Qui s'accuse président? C'est que en 2011, le président n'a pas gagné l'élection, en 2012, en 2013, il n'y a pas de parti politique. Parce que même pour voir l'élection, il faut avoir une organisation politique ou parti politique. Et jusqu'à présent, le parti s'est calé. Est-ce que son parti est tout bon? Est-ce que l'Élysée prend? Est-ce qu'on mettait le soupier? Ou pas qu'on est? Il y a un autre problème. Même si l'équipe au pouvoir, c'est qu'elle fait l'élection, c'est qu'elle n'a pas organisé l'élection, nous sommes contents, le président n'a pas gagné ça lui-même. Non, au niveau de l'opposition radicale, si on était fait élection, l'élection a fait déjà, oui. Mais l'opposition radicale, la petite fait élection, parce que l'équipe est au pouvoir, là. C'est l'opposition modérée qui fait l'élection. Donc, le président n'a pas connu question de ça, il n'est pas capable de raconter une fois ça. N'a pas la réaction, yo. Sénateur Francisco de la Cruz, bon côté parlé, réagit sur l'interview, pardon. D'après le parlementaire, le président Patan Mezi, pour le comprendre, manger la presse dans le pays étranger, c'est un dictatif politique, administration liant à appliquer dans le pays d'Haïti. En écoute, sénateur Francisco de la Cruz, qui a panalisé l'interview chef de l'État, dans le micro Duke Enson Lazare, à qui vont s'aider. C'est une belle interview. Nous disons une belle interview. Si vous avez démontré l'importance de ça, gagne. Là, on pose la question. Pour que ça ne va pas produire des Haïtiens à la trempe de tous ces ouvertures. Ça veut dire quoi? Je ne vais pas dire président de manière directe. Tendance de comme dictateur ou bien salve le fait dans le pays, puisque pas organiser l'élection, la liberté d'expression, pour que ça ne manifestation pas des arrestations arbitraires. Peut-être qu'il n'a pas essayé de déduire, mais en un mot, on lui a tout dit. Et, bon, la question qui est très importante. Est-ce que pas trouvé curieux pour gagner un haut fonctionnaire de haut vol qui entre aux États-Unis, qui entre en Haïti, qui c'est Tom Shannon? Et pendant que lui-même était dehors, naturellement là, il parle d'ingérence. Il n'y a pas de business directement. Son face, il n'y a pas de curieux, il n'y a pas de humiliant, gênant. Pourquoi on est son président? Il y a un minimum de respect. Mais quand même, bon, de façon, il dit de manière très sage. Mais si vous dites ça de manière, il n'y a pas obligé de dire ça de manière diplomatique. Et là encore, il n'y a pas de même courage de dire que ce n'est pas gênant, ce n'est pas ingérence. Au contraire, son pays ami, il faut aider nous. Donc, c'est une attitude irresponsable même du président de la République d'organiser les élections. Et aller dans Burkina Faso, je vous montre que tendance dictatoriale là. Mais il n'y a même pas essayé de cerner pour qui ça, il était posé la question comme ça, qui s'est cherché exactement.
Yon l'autre bord, sénateur Francisco de la Cruz fait connaître c'est une responsabilité bon côté chef l'État haïtien s'il dit c'est à cause loi électorale là qui pas voté qui fait élection ou pas jambe qu'on a fait. Parlementaire qui en bas bannière organisation peuple cap lutter OPL expliquer ses fautes président Matéli si élection ou pas faite pendant l'année 2013 là. Sénateur Francisco de la Cruz toujours dans micro du Kenson Lazare à qui vont s'aider. On ka comprendre président puisque c'est nous qui fait élection 2011 nous pas fait. C'est nous qui sommes responsables de l'élection 2012, nous pas fait. 2013, nous pas fait. Nous faisons CTCEP, nous avons dit qu'il pas existé. Voilà. Donc, c'est nous qui d'accord avec le président. C'est nous qui sommes responsables de l'élection. Vous comprenez ça? Puis c'est moi-même, c'est nous-mêmes, c'est nous-mêmes, législateurs, qui avons toujours fait l'élection dans le pays. Mais nous avons dit que nous avons voté la loi électorale. Non, écoutez, ce n'est pas question de voter la loi électorale. Nous connaissons que nous avons voté la loi électorale 2013, vous avez l'élection pas faite. Mais c'est ça, de responsabilité. Ah, bien sûr. C'est que le fait que nous, chaque responsabilité, nous, nous étions responsabilité en 2013 et ils ne sont pas jamais faits. Okay. Or, pendant ce temps, ce n'est pas en 2013 que les élections étaient faites. Ils étaient doués faites déjà. C'est parce que nous gagnons des gens qui sont irresponsables, nous avons un gouvernement qui est irresponsable parce que pour ça, ils ne sont pas faits en 2013. Bon, écoutez, comme il dit que, il bien dit si l'argent est débloqué, si tel bagage est fait. Mais pendant ce temps, il était convoqué par le Conseil communiste le 26 octobre et ils ne sont pas jamais faits. Non, ça a passé. C'est encore irresponsable de sa part. Et c'est pas pour rien il y a le Burkina Faso avec lui. C'est pas pour rien il dit pour qui ça paye à pas qu'à produire des hommes à la trempe de toute l'ouverture. C'est parce que tu as un idéal, l'ouverturien, qui c'est la liberté d'expression, respect le droit, les droits humains, etc. Donc tu as pensé, ouais, est-ce que le président vraiment a une volonté, la caille pour faire un bagage quelconque? C'est pas pour rien. Il a pensé que c'est une question simple qu'il a posé. Nous arrivons à un moment pour nous prendre deuxième pause dans le journal là, restez branchés, n'abtenez. Sept lycées, 22 écoles fondamentales gain pour inaugurer. Plus passé 92 écoles pour construire pendant l'année 2014-2015 là. 1,4 million de timoun à l'école gratis. 800 000 kits scolaires distribués à travers tout le pays. 50 nouveaux autobus pour faciliter le transport timoun. L'école, c'est route là, c'est solution hein, vers un avenir qui est plus brillant. Côté demain, on clair, fait choix l'école là. Yon l'autre victoire, tête calée pour retirer petit pays à dans fait moi. Oh, à pas de coucher. Comment, Dani? Ou pas prendre la VCT pour aller payer assurance machine, moi, hein? C'est où qui fait me prendre contravention ça hier soir? Dani, c'est avec machine ou on m'a sorti jeudi, vous entendez? C'est où comme comment prendre la VCT? Dani, c'est où qui est en congé? C'est où qui est temps pour aller renouveler l'assurance là? Moi, en tout cas, chérie, m'allez. Ou besoin régler les affaires assurance machine ou lit, pas vrai? Mon pack à déplacer pour aller en AVCT? Pas besoin de tout problème. Montez tout nier sur www.oavct.gouv.ht pour renouveler l'assurance ou sur site internet là. Et ou faire diverses autres transactions, tant que mandé au AVCT, une faire expertise la caille. Et pour petit chouchou en plus, livraison nouveau fiche assurance là, t'as fait la caille. Service la facile, elle est disponible pour tout le monde qui gagne 4 visas ou son Mastercard. Jamal paye assurance là. Oh, merci chérie. Mouah, c'est celle qui fait que madame est content comme ça. Au AVCT, pibri la caillou pour bon pi bon service. Eh bien, maintenant, contravention pas payer pour contre lui, non? Oh, Bicha, moi à peine à préparer manger au pire mère. Comment? Ou toujours servir avec ta mère, ça y est toujours? Alors, je goûte vous mouer. Oui! Moi, j'ai assalé quand même! Mais, tablette Criolito.
Si ce qu'on inventé avec l'autre tablette cap salé manger ou qu'on est déjà, Criolito a une qualité supérieure parce que c'est celle tablette qui passe à les manger ou peut-être qu'il fait avec gros ingrédients naturels, tant que l'ail, oignon, céleri qui remplace fort celle où elle l'autre gagne. Et puis, en plus, il y a un bon goût pour le pays. Kounia, c'est coupé d'ouest. Puis bon goût, moins sel. Criolito, c'est celle tablette qui va manger au bon goût pour le pays. Criolito, dans ma chambre, quand tout beau, c'est ce qu'il y c'est les toutes cuisines, choisies pour faire manger. C'est les celles qui vont faire manger. C'est coupé d'ouette. Assez, Zanjet et Do. Criolito! Criolito, c'est... Numéro 1! Bienvenue dans la deuxième partie du journal. Le Premier ministre Laurent Salvador Lamothe, by Sial, pour commencer le travail pour réhabiliter l'aéroport Ville-Jérémie dans le département Grand-Anse, vendredi passé. Cérémonie en fait en présence de diverses autorités dans le gouvernement, parlementaires et membres de la société civile. Il y a un travail qui est possible grâce à l'agent Fonds Petro-Caribé ensemble avec le trésor public. Plus de détails avec le reportage, Esaü César à Wendy Henry. L'été bon 11h concernant matin, vendredi 31 octobre 2014 là, dans localité numéro 2, dans 9e section, commune Jérémie dans le département Grand-Anse là, côté aéroport Jérémie établi. Aéroport ça qui pas gain aucune infrastructure moderne, pral reconstruit sous l'obédience administration Martelly Lamothe là. Pour commencer, c'est président commission communale Ville Jérémie, Ronald Etienne, qui était salué présence membre dans gouvernement ak société civile là. Côté le bat bravo la contentement pour initiative ça qui d'après lui gagne une importance capitale pour développement département Grand-Anse là. Nous était passé embrasser lui par moteur. C'est route infrastructure là, ça veut dire gouvernement Martelly Lamothe là en prend cap direct vers le développement. Réhabilitation aéroport Jérémien a coûté 300 millions goudes. Et la boute sur une période 10 mois. Pour te bailler coup d'envoi à travail, réhabilitation aéroport Jérémien, Premier ministre Laurent Salvador Lamothe, après le fin de descendre une diète privée, te dirige dans le côté cérémonie en table déroulée. En présence de divers membres du gouvernement, à autorité locale qui te fait déplacement, Laurent Salvador Lamothe réaffirme volonté gouvernement pour réhabiliter l'autre aéroport moderne en dans pays. Je vous dis à son gros jour pour le département. Journée jodi a son gros jour pour Jérémy. Journée jodi a son gros jour pour la pour Grand-Anse. Et moi sentim fier, sentim content en pile que m'a avec nous journée jodi a pour me lancer travaux à aéroport Jérémy. Aéroport ça li pral met département nou l'autre niveau. Li pral aider créer job. Libre à l'aide gon la vie meilleur. Pendant cérémonie ça qui te dirait environ des temps, plusieurs centaines de citoyens dans Ville Jérémie te vinn porter soutien yo bay gouvernement et puis profiter présenter kay revendication yo bay Premier ministre là qui te fait diverses promesses dans occasion. Deux sénateurs Grand-Ansio qui étaient dans l'occasion, cérémonie pose première pierre dans le cadre de réhabilitation aéroport Jérémien. Bat bravo la contentement pour l'initiative ça, administration Martelly Lamothe la prend. Andris Richer et Maxime Roumer dit qu'ils souhaitaient travailler ça au fini, plus vite possible. Sénateur Andris Richer et Maxime Roumer, dans le micro Esaü César à Wendy Henry. Nous avons toujours été traités en parents pauvres. En parents pauvres parce que tout simplement, nous sommes d'enclave, nous pas de cap baissé. Et puis en fait de ça aussi, c'est que généralement, les gens de la Grand-Anse, les hommes qui arrivent, les femmes qui arrivent, ils sont quelques parfois timides. On ne peut pas oser avancer. Je dis à là, je me présente ici. Je dois vous dire que je ne fais pas partie du gouvernement. Je suis pas dans le gouvernement. Mais cependant, je suis un sénateur de la République. Et en tant que sénateur de la République, je me rends moins compte qu'il y a des actions qui sont posées et que normalement la population a bénéficié des lits.
alors je n'hésite pas à faire le déplacement. À faire le déplacement parce que je connais que un jour, là, côté chaque jour, je prends un avion, je vais regarder des filles qui vont éclairer là-dedans. Ça qu'a fait là, c'est pas souvent que nous venons dans l'histoire. Très rarement, quand quoi les sénateurs se disent là, ils n'ont pas investi dans la grande tense. Mais je dis, le gouvernement actuel fait un gros effort. Non seulement lui fait l'infrastructure de base, route, rue, électricité, mais l'école professionnelle, l'hôpital, WAF, et probablement la pointe là qui parle de valeur de protection pour WAF, mais la bonne valeur tout touristique pour reprendre l'ancienne tradition de Ville-Jérémie. Mais ça me devait dire, hein, c'est qu'on doit faire pont, ou qu'on doit faire Malécon, ou qu'on doit faire aéroport, ou qu'on doit faire WAF, ou qu'on doit faire l'école, ou faire l'hôpital, s'il pas articulé, si pas une société, le grand temps qui est organisé, j'aime d'abord dire l'avant, il y a un aéroport, pas un avion d'atterrissage. Cela n'a mettez un bout à journal nous pour jeudi à mesdames, messieurs, avant nous aller. Mais quelques points nous t'ai développé pour vous. C'est la date 18 novembre qu'a venu là, président Matéli, pas la population en connaît, qui s'accepte dans cette consultation de tête en main à différents secteurs dans le pays, dans l'idée pour résoudre la crise politique là. Président Michel Matéli retourne dans le pays là, samedi 1er novembre là, après un voyage 6 jours dans le pays l'Allemagne avec la France. D'après votre parole, la présidence là, Lucien Jura, voit ça côté en pile pour PIA, surtout nos affaires business avec étrangers. Réaction pas suspendue tombée pour critiquer participation président Matéli pendant voyage d'une émission qui est internationale, qui fait sous chaîne télévision TV5 Monde. Votre parole, la présidence là, lui-même dit, lui pourrait chef d'État, te répondre à question en fonction de réalité PIA. Époque régionale de Jérémie, dans le département Grand Aslan, pourra changer figure dans 9 mois qu'à venir là. Premier ministre Laurent Salvador Lamotte, Talbay Siyal, pour commencer travail vendredi passé dans la ville. Troisième édition festival Mode Haïti Fashion Week, bouteille dimanche dans la Pétionville. C'était un succès d'après organisateur événement ça qui a duré 4 jours et puis qui a accueilli le pays Mexique comme pays invité. Mesdames, messieurs, c'est tout pour cette interview pour Acampillo. Merci à tout le monde qui t'a suivi nous. Bye bye. Bonne soirée sur Télésignal.